ouest. Ah! Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Starscream Fall of Cybertron Deluxe Class, une figurine que j'ai achetée au coût de 8,50$. Qui, bien entendu, c'est son mode Cybertronien. Un genre de jet, carrément un F-15 futuriste avec des ailes à l'inversée. J'aime beaucoup le mode alternatif. Je trouve que c'est quand même génial. Mais il y a une chose que je comprends pas. C'est quoi l'hostie d'idée, excusez-moi sur le sac, c'est quoi l'hostie d'idée de faire un cockpit humain, un peu comme un F-15, sur Cybertron quand ils n'ont aucunement rencontré des humanoïdes? Je sais que ça peut-être remplace les yeux côté mode alternatif, mais je trouve ça bizarre. Même chose avec Jetfire, même chose avec ses repeints. Dans tous les jets, à part peut-être Shockwave, tous les jets ont un cockpit avec un siège pour des humanoïdes. Et ça, je trouve ça bizarre. OK? Bon, je vais vous commencer à décrire la figurine. Il y a quand même des belles couleurs. Le gris plastique est très présent et très, très laid. J'aurais mieux aimé un petit gris chromé de même, comme si tout le robot aurait été beau. J'ignore si la version japonaise est vraiment plus belle, mais celle-là... Disons côté couleur, c'est pas du rouge, c'est quasiment du rose. Puis j'exagère à peine. Tellement que les signes Decepticons ici, on les voit mal. Fait que, tu sais, des gigantesques réacteurs qui se forment bien entendu ses pieds. Ces petites ailettes. Mais une chose que je trouve dommage, c'est que dans le jeu, dans le premier surtout, il y a un mode normal, puis un mode boost. Le mode boost, me semble que ses ailes, ils sortent ou c'est le contraire. Là-dessus, il aurait pu au moins mettre peut-être que ses ailes se bougent, là, un peu comme ça à peu près, mais c'est vraiment, vraiment dommage. Et il y a un gros point négatif qui est extrêmement horrible, que tous les reviews ont dénoncé. La crise de tête ici, le petit trou ici, qui aurait pu juste avoir un petit compartiment ici pour se replier, quelque chose du genre, mais non, ils ont décidé de faire « fuck all », fuck you le consommateur, on décide de donner un robot, puis on décide que ça, cette pièce-là, supposément, c'est caché. Mais c'est juste la petite tête d'un robot, puis on voit même une petite partie du light piping ici. Fait que, vraiment, vraiment dommage, c'est vraiment stupide. Bon, vu d'entour, on voit encore le trou ici, c'est dégueulasse. Les jambes, ben, les pieds repliés, c'est quand même pas si pire, les jambes ici... Le torse, cette pièce-là, c'est un peu... c'est vraiment une caricature. C'est vraiment caricatural. Des petites ailes, des gros réacteurs derrière. Le nez est quand même fait quand même bien. Les armes ici qu'on peut enlever. Pour son look civil, on va dire. Civil de Cybertron. Je déteste pas ce moule-là. Je veux dire, même si c'est une belle caricature... c'est un moule qui vont sortir en Thundercracker puis Skywrap, puis ça je suis très content. Des personnages oubliés de Fall of Cybertron, mais War for Cybertron, je suis content. Thundercracker était officialisé, Skywrap ils nous ont sorti version Inkey, je n'ai rien à foutre, je veux pas acheter ce deluxe là à 40$, même si sûrement les couleurs sont plus belles, mais Skywrap va sortir plus tard dans l'année. Fait que vraiment, vraiment, au moins je suis content. Qui nous sortent des Trusts, des Dirge ou des Ramjet, qui nous changent les ailes, je les prends. Qui nous sortent des Slipstream, qui nous sortent des Sunstorm, des Jetstorm, je vais les prendre. Même des Acidstorm, j'ai vu tout en Seekers de même. Même si le moule n'est pas extraordinaire, ça reste que c'est un Seekers et il aurait pu être pire. Bon, une petite... je vais remettre les armes. Je vais vous montrer c'est quoi l'arme. L'arme, c'est la mitraillette de scientifique dans le jeu. Je sais pas, mais ça me donne le goût de juste jouer, là. T'sais? Fait que c'est l'arme qui marche sur un système de rail qui fait que les deux canons bougent en même temps. Ça, c'est une bonne idée. C'est pas mauvais. Je veux dire, l'arme est quand même gigantesque. Moins grosse que celle de Kickback, mais quand même gigantesque. Au moins, c'est pas un mech tech, au moins. C'est quelque chose d'un peu...
un peu le fun, là. Mais je vais mettre les armes. Je vais remettre les armes. On peut les mettre partout, cette liselle ici. Puis il y a toujours deux points d'attache. On peut les mettre comme ça, mais tu sais, je trouve ça là un peu quand cette partie-là est vue de dehors. Ça fait un peu vraiment très laid, là. Mais je vais la remettre comme. Moi, j'aime mieux l'accrocher après les ailes. Ça lui donne quand même un plus beau look. Bon, comme ça. Ou on peut les accrocher comme ça. Mais juste le fait que l'aile doit être rabattue vers le haut parce que ça pogne ici ce point-là. C'est vraiment. Tu sais, ils sont pas super intelligents. Celui qui a créé ce moule-là, là, il a décidé de faire fuck off l'ingéniosité. Il a décidé de faire quelque chose de rapide, simple et efficace. Mais c'est décevant quand même. Bon. Il faut pas oublier que c'est un Deluxe de cette année, ça. Fait que je vais vous le comparer à Starscream classique qui est une merveille comparé à ça. Puis regardez la grandeur, comment c'est minuscule. Vraiment, là. C'est petit. C'est très petit. C'est vraiment un peu décevant. Mais au moins, il est un peu plus gros qu'Ultramag, mode alternatif, puis Optimus Prime. Fait que, wouh, on est tellement ravis, là. Wouh, tellement. Bon, comparaison de taille aussi. Celle-là, je vais avoir ça en fin de semaine, la version japonaise, avec le kit de couronnement. Ça, j'ai hâte de vous faire la revue. On va. Bon, à part ça, là, vraiment, on va commencer la transformation. On enlève les armes, tout simplement. Bon, c'est simple. Les jambes là, sont tellement faciles. Là. C'est un peu comme bien des figurines. Bien des figurines, des jets bien ordinaires. Ici, on détache les jambes avec ici, comme ça. Là, on a déjà peut-être 50% du robot fait. Même pas, ben non. On rabat ça ici vers le haut. Ici, cette pièce-là, on la rabat comme ça. On clipse comme ça. Les pieds, on fait juste les sortir. Bon, après, les bras ici, on fait juste les sortir comme ça. Bon, je dirais pas que c'est ingénieux comme pièce de transformation, mais c'est un petit peu plus recherché. T'sais, vous voyez, c'est ce genre de partie. Cette partie-là se clipse au-dessus. Bon, le mode robot. Et ben, faut qu'on rabat la tête. Puis que cette partie-là se monte comme ça. Et ici, les genres de petites épaulettes, on fait juste les rabattre. Les bras, on fait juste les tourner comme ça. Les mettre en place. Comme ça. Et la tête. Fait juste tourner. Et nous avons notre Starscream Fall of Cybertron. Bon, notre super Starscream. Il y a une chose que j'adore, mais j'adore beaucoup plus que le classique, sa tête. Ok, sa tête, là, avec elle sur un bajouin puis du light pipe pick jaune, je l'adore. Très, très belle tête. J'espère que le kit de couronnement pour le Deluxe fit là-dessus, mais je penserais pas. Mais sérieusement, là, j'adore beaucoup sa tête. C'est peut-être la seule chose partie que j'aime vraiment de cette figurine-là. Ses pieds qui forment. Ben, ses moteurs qui forment un peu ses pieds, c'est quand même une bonne idée. Dans le film, il y a trop des grosses pattes. Mais là, là-dessus, je trouve que ça fit quand même bien. T'sais, c'est un petit peu. Ça fait un peu carré, mais ça aurait pu être plus gros, ça aurait pu être pire, ça paraît pire en mode jet, mais là-dessus, je trouve avec ses ailes, son petit torse ici, je trouve que ça lui fait quand même bien, ça donne le style de Starscream G1, pis ça j'apprécie vraiment. Les armes, on peut les mettre différemment, on peut les mettre comme ça, un genre de canon ordinaire, clipser aussi comme ça, j'aime mieux de même, et chacun, il peut être chacun dans son bras des guns comme ça, et ça c'est la première fois que je l'essaye, je trouve ça un peu laid, ça paraît ben trop, c'est un gun séparé, et la version qui j'apprécie le plus, qui paraît plus tough,
paraît, j'ai un. Comme ça. Comme ça, là, c'est toutes mes. Quand je vais avoir toutes les seekers, je vais toutes les mettre comme ça et je le trouve magnifique comme ça. Look agressif, j'ai un. C'est carrément. Ce que j'aime avec les War for Spartan, Fall of Spartan, c'est que t'es pas. Warburton, on oublie ça. Warburton date de 10 ans. C'est vraiment pré-G1. Mais ça, là, vraiment, là, c'est vraiment très beau. Les ailes fit quand même très bien. On peut aussi les ailes, on peut les mettre plus comme ça un peu. Bon, le cockpit qui se met en avant, ça c'est du Starscream. Le backpack. Bon. Il y a peut-être. J'avais oublié peut-être de clipser ici. Le backpack, il est pas trop gênant. OK? Il est large, il est long, mais c'est correct. C'est peut-être juste ces ailes-là, si on aurait pu avoir la possibilité de les séparer puis de les mettre, ça aurait pu être moins gros. Puis on aurait pu peut-être mettre quelque chose comme se clipser ici ou quelque chose. C'est sûr que le manque de couleurs flagrant marque. T'sais, c'est du gris. C'est les couleurs américaines, bleu, gris, rouge. J'aurais aimé mieux blanc. Blanc comme le Universe, même si ça a l'air d'un bootleg, là, j'aurais beaucoup mieux aimé blanc. Bon, il y a ça, il y a des petits détails ici, cybertroniens, des motifs, les bras aussi, tu sais, c'est vraiment inspiré du jeu. Je vais vous comparer avec le classique. Comme ça. Comptez comparaison de taille, ça fit très bien. Le Jet, il est plus petit, mais avec le classique, waouh, j'adore. J'aime vraiment ça. J'aime beaucoup ça. Vraiment, là, c'est deux figurines qui en vaut la peine. Puis, wow, ça me fait beaucoup plus apprécier Starscream avec comparé avec lui. Fait que oui. Bon, conclusion. C'est une figurine qui en vaut la peine. Ça dépend pour vous. Version japonaise, parce qu'il y a des plus belles couleurs. Version américaine, moins cher, couleur grise plastique. Moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Surtout si vous aimez les Seekers. Moi, j'aime bien Starscream, mais Fall of Spartan, War for Spartan, je l'aime moins que celle de Prime. Mais, je parle de la personnalité, mais c'est une figurine qui en vaut la peine. Ça vaut la peine si vous aimez les Seekers. C'est parce que, tu sais, les deux autres Seekers vont sortir. Fait qu'on va avoir le trio des Seekers. Moi, je vous annonce officiellement que je vais avoir le set de Grimlock. Puis de Bruticus, l'exclusif de BBTS à 100$ qui me vire à 125$. Je vais l'avoir la semaine prochaine. Je vais avoir tous les Decepticons, tous les Autobots, Fall of Spartan, War for Spartan, parce que c'est peut-être un projet futur de stop motion, je sais pas. Fait que oui, c'est une figurine qui en vaut la peine. Vraiment, achetez-la, je dirais plein prix. Ça dépend pour vous. Ça dépend si vous avez beaucoup de finances. Moi, je ne l'aurais jamais vraiment acheté à plein prix. Je l'ai acheté à 8,50$. Il vaut ce prix-là. Et je pense que je ne le regrette pas. Fait que sur ça, merci. Puis à la prochaine. La prochaine va sûrement être Blaster Fall of Cybertron. Je suis content. Ça va être la première revue française de cette figurine-là que je vais donner au forum. Fait que merci beaucoup et bye.